va parler aujourd'hui de juste le basic d'entretien pour une voiture. On va commencer par ça. Ça peut dépendre n'importe où dans une voiture. Sur cette voiture-là, le windshield washer est là. Fait qu'on roule juste le cap. Et ça, c'est un galon de windshield washer qu'on peut acheter pas mal partout. Celui-là, c'est pour hiver, moins 45. Ça va aider avec la glace puis la neige. Mais il y en a aussi pour l'été qui va aider plus avec les mouches. Fait que comment qu'on fait pour vider ça? Tu rouvres le galon. Puis pour sauver que ça dégoutte partout, tu l'utilises de même. Fait que tu vas juste le vider. Après ça, on va aller avec les câbles à booster pour si que la batterie est morte. Si vous avez resté les lumières allumées, ça peut drainer la batterie. Moi, j'ai des câbles que pour accrocher sur une autre voiture, sauf ça va être le même d'une voiture à l'autre. Ça, c'est le rouge, puis ça, c'est le noir. Fait que le rouge, ça va être le plus qu'on met. Après qu'un est attaché, il ne faut pas les coller ensemble parce que ça va faire des sparks. Puis là, tu l'accroches là. Puis l'autre bord, tu vas juste l'accrocher à une autre voiture. Puis tu vas demander à quelqu'un qui peut t'aider pour restarter avec ta voiture. Après ça, on va aller à l'huile. L'huile pour checker ton huile, ça peut être checker frette ou chaud. Fait que si vous venez juste ici, la baguette elle peut être orange, jaune, habituellement elle est pas mal juste jaune. Fait que vous allez prendre une guenille ou n'importe qu'est-ce que vous avez en main. Vous allez essuyer la baguette. Vous allez la remettre à où ce qu'elle était. Attendre une couple de secondes. Allez back, la tienne, puis vous allez pouvoir voir la couleur de l'huile et au montant qu'elle est. Comme ça, la première basse, c'est qu'elle commence vraiment à être basse. Puis la deuxième, c'est le max. Fait que tout de suite, elle est bonne parce qu'elle est entre les deux. Elle est un petit peu noir, fait qu'il serait dû pour un changement d'huile. Fait qu'on va juste mettre ça. L'huile que vous devez mettre dedans, c'est écrit sur le bouchon proche à où j'ai pris la baguette. Comme lui, c'est la 5W20. Vous avez la 020, puis la 030, puis la synthétique, puis vous avez plusieurs ça. Après ça, si on vient ici, ça c'est pour checker le Prestone. Le Prestone, il ne faut jamais checker ça quand c'est chaud parce que ça peut être dangereux et ça peut vous brûler. Comme là, la tank est facile à voir comment qu'il y a dans ma canisse. Vous pouvez voir la couleur. Fait que tout de suite, je serais bonne pour l'ouvrir et le regarder parce que le char n'a pas été starté. Fait que là, je vous démontre un outil qui est vraiment important d'avoir avec vous autres. Comme moi, je l'ai sur mes 7 dételiers, mais vous pouvez l'attacher n'importe où dans la voiture. C'est si vous faites un accident ou n'importe quoi. Fait que je vais pouvoir couper ma ceinture. Fait que là, je suis libre. Puis, fait que là, c'est ça. J'ai coupé ma ceinture. Puis après ça, si les portes sont barrées, puis vous ne pouvez pas sortir avec la porte, ce bout-là, ça va vous peser sur la vitre, ça va casser la vitre pour que vous pouvez sortir. Moi, j'ai mis des gants tout de suite pour être safe avec ma capuche, bien sûr, je n'en ai pas dans les cheveux. Mais si vous l'utilisez sur vraiment un accident, tournez-vous le visage, bien sûr, vous n'avez pas dans les yeux. Donc là, on va essayer. Fait que c'est ça que ça fait. Puis là, mais vous allez pousser la vitre, puis bien sûr, qu'il n'est pas sur le contour pour pas qu'il... ça vous graffine en sortant, puis c'est ça!